Rebonjour, rebonsoir YouTube, c'est Lassio et on continue toujours cette fin de saison, ces séries éliminatoires avec notre équipe du Canadien de Montréal dans NHL 2002. Rappelez-vous, remarquez, ça devrait pas être bien loin parce que je pense que les vidéos vont suivre assez rapidement. Les Maple Leafs de Toronto, voilà notre prochain adversaire. Ça s'annonce coriace, Toronto qui a éliminé les Sénateurs d'Ottawa en 6 matchs. Et du côté d'Ottawa, quand même, on a pu se faire surprendre en saison contre eux, donc c'est pas une mauvaise équipe. Et du côté de Toronto, il y a un certain Pavel Bure de mémoire, et ça, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc justement, si on fait une petite analyse rapide, on va regarder un petit peu la saison de tout le monde. Par exemple, dans l'Est, Toronto s'est placé à la 6e place, techniquement, avec 91 points en 82 matchs, donc très serré. 2 victoires de plus en saison régulière comparativement à nous. Mais bon, nous, on est allé chercher beaucoup plus de points avec nos égalités, mais quand même. Donc, c'est une équipe qui, si on regarde simplement ces statistiques-là, on se dit « Ah, ça va être serré ». Mais peut-être pas, peut-être pas. On va essayer de voir ça un petit peu plus en profondeur. Par exemple, on avait pu voir notre équipe la dernière fois du côté de la saison régulière. Donc, on va juste se pencher sur Toronto. Et là, vous le voyez, Pavel Bure, le monstre, le maître. 66 buts en 82 matchs, 110 points pour Pavel Bure. Et ça déconne pas en arrière non plus avec Alexis Zamenhof, Steve Sullivan, John Madden, Kaminsky, qui ne me rappelle pas grand-chose, Claude Lapointe, Yaroslav Spachek, incroyable, Roman Amerlik, c'est pas... Honnêtement, on regarde les joueurs, Chris Draper, ok, il y a quand même quelques noms qui vont nous rappeler justement des choses, mais c'est pas si fou que ça comme équipe quand même. Tu sais, à part justement un Pavel Bure, ça reste un petit peu plus tranquille derrière, mais bon. Mais bon, on voit qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été absents justement par des blessures. Donc c'est peut-être ce qui a fait en sorte que la saison a été plus difficile pour Toronto. Mais ça semble bien aller là présentement en séries éliminatoires. Justement, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça donne pour eux en série. Ben Pavel Bure, toujours le monstre. 10 points en 6 matchs, inarrêtable. Claude Lapointe qui distribue des rondelles comme Jaja, John Madden qui doit sans doute faire un excellent travail autant offensivement que défensivement, et puis voilà, on voit que la synergie est là du côté de l'équipe, donc il va falloir faire très 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 attention. Nous, notre côté, c'est vrai que je suis pas retourné voir un petit peu le classement, qu'est-ce que ça donnait, très 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 timide pour nous. Vous le voyez, Donald Odette, meilleur pointeur, et Juke qui a pu se reprendre. On a vu que c'était pas foufou du côté des Jukes, mais et même de nos cadres en fait, parce que c'est quand même toujours autant tranquille pour Thornton et le Cavalier. Donc on espère que ces joueurs-là, non seulement vont se réveiller, mais qu'ils vont vraiment contribuer à ce qu'on puisse passer à une ronde supplémentaire. Et surtout, rappelez-vous, je vous disais, je ne joue pas à moins qu'on soit en 0-3. Donc voilà, donc ça c'est une règle que je me mets. On va aller voir un petit peu du côté des lignes, j'aurais pu le faire avant, mais ça me semble ok en fait, tout le monde est à la bonne place, parfait, donc ça on peut y aller avec ça. Et ensuite, dernier tour peut-être du côté du calendrier, parce que honnêtement, ce que je me souviens pas, ça a été quand même les petits changements que j'ai fait ont fait en sorte qu'on a gagné notre dernier match contre les Capitals 3-0, donc ça c'est parfait. On termine quand même sur une belle lancée contre les Caps, deux victoires de suite, parfait, donc je pense qu'on est quand même en confiance. Et surtout, au lieu de commencer à l'étranger, on commence à la maison. Quoique moi, de mon côté, vraiment, plus genre à aimer à commencer à l'étranger. J'aime bien l'idée de peut-être enlever un ou deux matchs, puis ensuite de tenter de finir ça à la maison. Mais bon, dans ce cas-là, on commence à la maison, on va essayer d'en profiter, ça c'est sûr. Donc là, on va simuler les deux premiers matchs, on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner. J'espère que ça va être... J'espère que ça va être bon. Jusqu'au 6 mai. Bon, il y a le Cavalier que ça va pas du tout. Donc ça c'est... Ah en fait, c'est ça qui foutait le bordel, je suis en train de me dire. Parce que là, eux, ils veulent qu'on fasse des mélanges du côté de... Ah non, mais là, vous foutez de ma gueule. Je vais pas m'amuser à changer ça à tout va, moi. Par contre, ça me dérange pas de peut-être mieux équilibrer les trios, par exemple. Ça, je suis peut-être pas contre l'idée. Moi, je vois exemple... Attends, là, j'ai enlevé Bordolo. Thornton sur la 2. Avec Brashear, ça me paraît gros un peu. Moi, je pense que je vais mettre Bordelot, en fait.
Je vais mettre Bordeleau à l'aile. On va l'essayer, Bordeleau, avec Thornton. On va espérer qu'il va pouvoir le relancer. Ici, on va mettre Danfousse. Je sais que ça va pas très bien pour Danfousse, mais quand même, faut pas déconner. Le mettre sur le quatrième trio. Et Brashear, ici. Puis ensuite, on va faire un petit mix entre Saint-Louis et Brashear. Bang! Voilà, pour que les joueurs soient à leur position. Donc, on va essayer ça. Honnêtement, je pense que ça peut être bon, je pense, avec un Thornton sur le deuxième trio. Je pense que ça peut être justement mieux équilibré. Niedermayer, Zubov ensemble, ça me va. Honnêtement, je le prends. Et puis là, on va aller voir un peu qu'est-ce que ça a donné. On n'a aucune idée, hein. J'espère qu'on s'en tire avec un 1. J'espère qu'on s'en tire au moins avec un 1. Playoff 3. 1-1. 1-1 pour le Playoff 3. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, ça, on va voir du côté du calendrier. On a commencé la série avec une victoire de 2-1. Ensuite, une défaite de 2-1. J'ai l'impression qu'on a peut-être réussi à contenir un peu Pavel Bure. Je pense. J'espère ne pas me tromper. Donc, allez, on continue. Deux autres matchs. On simule jusqu'au 10 mai. Où là, ça va revenir à la maison. J'espère qu'on reste compétitif, surtout. Alors que, bon, quelques complications du côté de Donald Odette. Malheureusement, sa bonne séquence se termine. Et du côté de Richard Zelnick, une lacération à la tête. Pauvre gars, tu sais, déjà qu'il l'a eu dur quand même avec le coup. Mais bon, c'était plus tard. Ça, c'est dans le futur. Donc, pour ceux que ça rappelle rien, si vous êtes trop jeune ou etc., allez sur YouTube, marquez, par exemple, je sais pas moi, Richard Zelnick, Cott, ou ça, quelque chose dans le genre, puis c'est sûr vous allez trouver quelque chose. À ce moment-là, il jouait pas pour le Canadien, mais avec les Panthers de la Floride, de mémoire. Donc, voilà. Donc là, bon, qu'est-ce que ça donne? Playoff 3. Oh, 2-2, toujours aussi serré. Incroyable. Si on se retrouve dans un match numéro 7, je sais pas si je vais le jouer. Donc, défaite en prolongation, mais non, ça fait dur. Et là, ensuite, ben, on réussit quand même à blanchir l'équipe par la suite. Victoire de 2-0. Ça, c'est très bon, ça, par contre. Ça, c'est très, très bon. On revient à la maison, on espère peut-être enlever le match, prendre les devants. Dans cette série, je pense que c'est le plan. Clairement, c'est le plan. Donc, allez, sans plus tarder, on simule. Go! Qu'est-ce que ça nous donne? La grippe pour Bordeleau. Mélanie Duke, ça va mal. Et, oh non, du côté de la cavalier, petite conclusion aussi. Donc, c'est dur pour la cavalier, honnêtement. C'est très, très dur pour lui. Il n'est pas épargné par les blessures, mais on le laisse dans cette chaise-là, à moins que ça ait été catastrophique. C'est sûr que si on a perdu le match... Non, on a remporté le match. Oh, incroyable! Victoire de 3-2, on s'en va à Toronto. Ça n'arrête plus! Allez! On élimine Toronto. Go! On passe finale de l'association. Non! Je pense que ça n'a pas marché. Je sais pas. Je vois encore notre équipe, donc on est encore là, mais... Non, on joue encore contre Toronto, on est spoil par la derrière, dommage. Donc bon, ben du côté de Bordeleau, a pu s'en remettre de sa grippe. Même chose du côté de Zenick avec la petite lacération qu'il avait pu avoir. Et là, il y a Jerry Lehtinen aussi qui a quelques complications. Et là, regardez ce qu'on va faire. Vu qu'on a perdu le dernier match, on va juste jouer un peu avec l'alignement. Voilà, ensuite, c'est fou, hein, mettre Vincent Danfousse sur la 4, ça me fait mal au cœur, honnêtement. Non, je peux pas laisser passer ça, on va juste changer au final, parce que j'avais Bordeleau qui jouait à l'aile sur le deuxième trio. Wow, on va envoyer Danfousse à l'aile, comme ça, et on va mettre Brashear ici. Brashear. Allez, s'il vous plaît, j'espère que la série va continuer. On veut pas arrêter ça, là. Il faut pas. Ni de manière Zubov, ça me va. Donc, si on regarde pendant ce temps, les Devils du New Jersey ont éliminé les Penguins de Pittsburgh en 6 matchs. Égalité dans l'Ouest entre les Coyotes et les Kings et l'Avalanche et les Canucks. Donc, ça, c'est intéressant. Très, très, très intéressant. Et du côté du match, ça a été une défaite de 2-1. Donc, très, très, très serré. Mais là, autant j'ai envie de vous dire, j'aime mieux commencer une série à l'étranger, mais ça reste que d'avoir le 7e match à la maison, ça, c'est sûr que ça se prend. Clairement, ça se prend. Donc, ben, ça va être chaud, hein. Limite, ça va être très, très chaud. On espère que ça va passer.
c'est peut-être là que notre série va s'achever, malheureusement. C'est peut-être là. 3, 2, 1. Oh non! Dommage, c'est les Canucks de Vancouver qui remportent la Coupe Stanley. Mais non, mais j'ai même pas eu le temps d'agir en plus. Ah, ça c'est dur. J'aurais aimé ça simuler directement là, les autres séries. On se fait éliminer par Toronto. À la limite, je pense que j'aurais aimé que Toronto se rende à la finale de la Coupe et voire même gagne la Coupe, en fait, parce que j'aurais pu me vanter au moins de m'avoir fait sortir par l'équipe qui a gagné la Coupe. Mais bon, ça fait partie des playoffs, malheureusement. Toronto qui a été éliminé en 6 matchs. Par contre, New Jersey, incroyable, hein? New Jersey, là, ils se sont fait déclasser rendus à la finale de la Coupe. On va regarder ça un petit peu ensemble. Mais, ouais, dommage. 7e match, tout peut arriver, honnêtement. On va aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ça a été une défaite de 4-3, donc très serré. C'est peut-être là où le punch offensif a peut-être pu changer du côté de Toronto. On sait qu'il y avait un Pavel Bure qui était quand même dans une très, très, très bonne forme. Donc, justement, 20 points en 19 matchs. Hey, ça va quand même. C'est sûr que là, après, il y a eu une série peut-être plus difficile contre les Devils, mais 20 points en 19 matchs, faut dire qu'il a commencé contre nous, je pense qu'il y avait déjà quoi, 10, 11, 12 points en 6 matchs lors de sa première ronde, donc ça veut dire que quand il nous a affronté, il a été stop quand même, il a été stop un peu, donc ça c'est rassurant, mais bah, après c'est sûr, on connaissait pas des grandes séries non plus, hein. Donc Milan et Joe, un point par match, mais clairement, Thornton, décevant pour les séries éliminatoires, ça m'a 6 points en 13 matchs. 4 buts, certes, mais en même temps, c'est 4 buts en 13 matchs, donc en 2 tours. En 2 tours, reste que. Déjà au premier tour, je pense qu'il y avait déjà 2 ou 3 buts, donc ça veut dire que la série contre Toronto a presque rien fait. Danfoss, ça a été très tranquille. Et le Cavalier, ben, finalement, je pense qu'il s'est jamais remis, hein. J'ai jamais remis de sa commotion, donc ben voilà, c'est des choses qui arrivent. On va voir un petit peu l'équipe du côté de Vancouver. Qu'est-ce qu'il y avait du côté de Vancouver? On va avoir quand même une certaine bonne équipe. C'est pas si fou quand même. Ah, aucun joueur a dépassé les 20 points. Sanderson, Ricky, par contre, vous voyez, hein, direct, on voit les 9 premiers joueurs, 10 points et plus. Ça, vraiment, tous les trios fonctionnaient à ce moment-là fond régime au final, donc Adam Gray, Barnaby, Rusinski, Kane, Caria, Tremblay, pas de gros noms, mais des joueurs qui ont joué efficacement, c'est vraiment ce que ça ressemble. Du côté des gardiens, qui qu'ils avaient? Ah, Martin Brodeur, j'avoue, mais non, mais nous autres, allez, nous autres, on n'a pas eu de chance, ouais, il nous a pas gagné les séries, dommage. Ben écoute, Brodeur qui remporte une coupe. Quoi dire de plus? Alors que du côté de Toronto, on misait sur Graham. Du côté de Toronto. Même pas Jocelyn Thibault du côté de Toronto. Ah, j'avoue, il y avait une dent contre le Canadien, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a été éliminé, finalement. Je comprends tout maintenant. Tout c'est clair. Et du côté de Patrick Roy, ben honnêtement, quand tu vois les stats, 1.88, 91% d'efficacité, c'est pas de sa faute. Quand on voit ça, c'est là qu'on comprend que c'était pas de la faute à Roy si on s'est fait éliminer. Je pense que manque de profondeur, nos joueurs étaient en panne sèche. Et puis voilà, ça explique le résultat face aux Leafs de Toronto. Eh bien, ça conclut notre série sur NHL 2002. J'espère que ça vous a plu. L'instant d'un moment, j'avoue que ça a été peut-être un peu plus long que prévu. Parce que je m'attendais à... avancer dans la série peut-être plus rapidement. Mais bon. Au moins, on arrive à une fin. Donc, c'est pas une série que je laisse inachevée. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez envie de proposer soit d'autres idées, d'autres NHL. Ça, c'était vraiment... Ouais, j'avais un petit coup de cœur, j'avais un petit coup de nostalgique avec NHL 2002. J'avais envie de lancer quelque chose. Je l'ai fait à tête perdue l'instant d'une soirée. Et puis, nous voilà. Au moins, je me suis rendu jusqu'au bout. À la limite, je pourrais lancer peut-être une deuxième saison sur cette même... Mais j'y vois pas trop d'intérêt, donc on a déjà un peu cette magie qui est terminée d'avoir des joueurs un peu partout avec le Fantasy Draft. Donc j'aime mieux arrêter ça là-dessus et peut-être
qui s'est recommencé sur un autre NHL. Donc, allez, sur ce, je vous retiens pas plus YouTube, alors que ben, Jean-Mi est encore là sur le chat Twitch ainsi que Jericho. Donc, merci d'être encore là, c'est super apprécié. Et puis, ben, pour YouTube, on se revoit bientôt. Allez, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye YouTube!